alors que Sébastien Amier, qui est un solide et qui avait 10 centièmes d'avance à l'issue de la première manche sur l'Autrichien Albrecht, va s'élancer. Allez Bastoun, faut y aller, ne rien lâcher. Il aura toujours, tendance à être un petit peu dur sur les portions un peu plus planes, Sébastien Amier, mais ça paiera après dans le mur. Mais il est parti toujours avec cette énorme agressivité, la bouche grande ouverte. Il va manger du piquet, Bastoun. Allez, pour l'instant, il est dans le rythme. Il est dans les traces de Kylian Albrecht, c'est bien. Ouais, voilà, il faut bien rentrer dans ce mur surtout. C'est de la confiance, là. Dès qu'on aborde bien les changements de rythme, qu'on rentre bien sur ces parties tournantes, regardez, il ne bloque pas. Son problème cette année, c'était qu'il pêchait un tout petit peu mais non, physiquement sur les fins de manche. Voilà, mais là, c'est pour les costauds. Ah, c'est beau. Ah, il a préparé peut-être un peu prudemment le mur d'arrivée. Il faut lâcher, Marc Bastoun. Allez, il faut lâcher. Maintenant, il faut lâcher dans les 15 dernières portes. Là, il faut vraiment tout donner pour aller chercher Kylian Albrecht qui a été parfait de part en part. Ah, là, c'est bien. Allez, Sébastien, plus qu'une porte. Il est devant, et il est devant de 63 centièmes. Formidable. Grande manche. Formidable. Grande manche. Intelligente. C'est le ski intelligent qui paye aujourd'hui. 63 centièmes, il va falloir aller le chercher. Il va jouer pour la médaille. Et ça fait plaisir de le revoir là, Sébastien, parce que je peux vous dire que le début de saison, avec ses problèmes de dos, vraiment ça a été pénible. Et il a été au rendez-vous. Et il est là. En tout cas, il aura donné le maxi. Et il n'aura pas raté le rendez-vous, effectivement. Et non, et rappelez-vous, le globe, il ne l'a pas ramené comme ça en face à Alberto Tomba. Alain Baxter pour la Grande-Bretagne. Mais ça va être quand même limite de passer devant. Il est derrière pour une demi-seconde et il prend quand même le deuxième temps. Il se place devant Kylian Albrecht qui, croyait-on, avait fait une superbe manche. Il l'a faite, du reste. Mais là, c'est un petit exploit du Britannique. Ah non, non, mais Alain a grandi à Courchevel. Hein. Oui, voilà, qui est surprenant, qui a fait déjà une excellente saison l'année dernière et qui est super. Enfin, je veux dire, c'est génial quand même. Il est là, il a joué sa chance olympique et pour l'instant, il est en deuxième position, ce qui lui assure au moins au minimum une huitième place. Ah, il a été cohérent comme on le connaît, Bastoun, comme au plus grand moment. Un peu dur là-haut sur le plat parce que bon, c'est pas un rigolo, Bastoun. Lui, il faut qu'il y ait de la pente. Et quand il y a eu de la pente, crac, crac, dans le rythme et tout ça, l'intelligence de préparer son mur, de se placer. Et derrière, on met la gomme. Et à l'arrivée, 63 centièmes d'avance. Il faut avoir les moyens de le faire, c'est bien, je peux vous dire, il faut aller le chercher. Qu'est-il, André Amott est en piste maintenant. Il est à la peine physiquement, il sera derrière. Oh oui, 90 centièmes de retard. D'ores et déjà, on peut tirer un grand coup de chapeau à Sébastien Amier. Ouais, et aussi, d'abord parce qu'il est arrivé en bas de cette deuxième manche et ensuite parce qu'il a réalisé un très très bon chrono. Alors que Youri Kozir maintenant est dans le portillon. C'est dur, c'est très très difficile hein, cette deuxième manche, il faut le rappeler. C'est pour les vrais champions, pour les vrais costauds. Ah, c'est des solides là. Des verts. Il a assuré ce dévers et c'est peut-être pas comme ça qu'il faut le faire. Allez, regardez, 1 seconde 52, comme simplement en changeant de mentalité dans ce mur. Il a eu peur du dévers, il a eu peur des premiers coureurs qui sont sortis, il l'a pas engagé dans cette partie là pour l'instant. Sébastien Amier est en très très bonne position. C'est lui qui a mis la pression sur ses adversaires, alors que l'une des grandes performances complètement inattendues de cette première manche, c'est Urs Imboden, le Suisse, qui est venu alors de manière complètement inattendue bien se placer sur cette première. Ouais, 2 centièmes d'avance. C'est encore des conditions très difficiles. Je suis pas très bien parti, c'est une neige qui accroche pas, encore une fois ça roule beaucoup sur les pieds. On a vu que c'est plus serré, beaucoup plus serré qu'à la première manche. Tout le long, hein. On voit Imboden, là où il arrive, ils ont changé une porte juste après la reconnaissance. Et c'est vraiment, vraiment pas facile à skier. Excusez-moi, hein, mais je suis en train de suivre. Oui, il a conservé 2 centièmes d'avance là-haut, mais il a commis trop de fautes, Bastoun, parce qu'en bas, c'était très bien ce qu'avait fait Sébastien Amier. Regardez, 66 centièmes de retard, plus que 2, Sébastien, plus que 2, et c'est la médaille. Quelle récompense ce serait? Ce serait fabuleux. Déjà aujourd'hui, bon, être cinquième, c'est le meilleur résultat de ma saison. Je crois que j'ai montré ce que j'étais capable de faire. C'est sûr que si je viens chercher la médaille, ce sera que plus beau. Bon, il y a beaucoup d'avance, mais on sait jamais en slalom, il y a 2 manches et tout est possible. On a dit que c'était une manche pour les vrais costauds, hein, celle-ci. Je sais pas si c'est les vrais costauds, mais en tout cas, les vieux sont encore là. Et bon, c'est mes 3e jeux. C'est le meilleur résultat à mes Jeux Olympiques. Bon, ben, ce sera peut-être pas les derniers. Allez, on croise les doigts parce qu'il en reste encore un petit français. Il reste des costauds aussi. Il reste encore un costaud là-haut. Un Morianet là tout suivre qui va... Oh, sur l'approche du mur final, c'est incroyable comme Kostelic a durci son ski. C'est tendu, c'est fini. Il est sorti. C'est fini, Vitsa, il n'y était plus. Non, il n'y était plus, Vitsa.
de la Coupe du Monde en slalom, Ivica. Et vous avez vu comme ça lui a joué dans la tête. Voilà. Mon Dieu, là, c'est des moments pour lui à l'intérieur, c'est dur. Regardez le sourire de Bastoun. Oh, plus qu'un, c'est la médaille. Oh là là. Allez, Benjamin Reich. Attendez, il faut qu'il sorte une grosse manche, hein, Benjamin. Même s'il arrive en bas, il ne sera pas forcément sur le podium. Ouais, et Benjamin. Il est à la faute. Trois portes à la faute. Le score prend l'Oignan Lavalois sans monter sur le podium. Très probablement, on l'espère en tout cas. C'est dur pour Benny. Oh, ça se termine difficilement. Ouais, yes. Médaille. Médaille pour Sébastien Amier. C'est un conte de fées. C'est un conte de fées. Et quelle récompense, voilà. Quelle récompense pour Sébastien. Ah, il peut sourire. Ouais. Avec ses problèmes de dos et son expérience, il a gagné la Coupe du Monde, il faut le rappeler. À mon fils qui me manque beaucoup et je crois que j'ai jamais pleuré jusqu'à maintenant, mais tout à l'heure, mais elle est pas loin. Bravo, bravo, costaud. Elle, attendez, Bodémiller est en piste. Bodémiller est en piste sur un parcours tracé par l'un de ses entraîneurs. C'est le feu, c'est le feu dans cette aire d'arrivée du slalom, parce qu'il se passe exactement ce qu'on avait prédit. Il se passe des retournements de situation, il se passe que les vrais costauds sont. Oh, oh, il est sorti. Oh, il est sorti, Bodémiller. On peut avoir deux Français en deux premières places, Patrick. Incroyable. Mon Dieu. Il faut qu'il assure, Jean-Pierre. Mais je ne sais pas si c'est la bonne solution. Bodémiller, en tout cas, a la sportivité de terminer. Ouais. C'est un Français champion olympique. C'est un Français champion olympique, de toute mais façon. Oui, de toute façon. C'est ah, c'est extraordinaire. C'est un Français champion olympique. Mais c'est une folie. C'est une folie. Oh. On a un Français champion olympique. Oh là là. Jean-Claude Killy. Et regardez, Baudet. Le champion, il est français. Baudet qui finit. Et je peux vous dire que c'est courageux ce que fait. Ouais, ouais, c'est beau. C'est très sportif de la part de Bodémi. Il respecte le public. Il n'y est plus du tout. Il finit. Maurice Adrien, l'entraîneur de ce... Maurice, on a un champion. On a un champion de toute façon. Il a pleuré, Maurice aussi. Ah, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Jean-Pierre Vidal, il a qu'à descendre en chasse-neige pratiquement. Ah, je sais. Et il est sûr de monter sur le podium. Il avait pratiquement deux secondes d'avance, ça paraît énorme, mais la faute, il ne faut pas la faire. Il ne faut pas qu'il la fasse, qu'il soit solide. Hein. Il ne faut pas qu'il lâche dans sa tête. Non, 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 il faut qu'il fasse ce qu'il a à faire, Jean-Pierre. C'est important, il y a un scénario incroyable en bas. On veut deux Français sur le podium. Hein. On les veut, ces deux Français. Là, hein. Y a de allez, mon petit. Allez, Jean-Pierre. 2,15 d'avance sur Sébastien Amier. Allez, qu'on ait les deux aux deux premières places. Ah, ouais, ça serait beau. Allez, allez, hop, allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez, reste fluide là-haut, voilà. Les pieds posés. La grande classe de Jean-Pierre, il faut qu'elle parle maintenant. Il faut qu'il limite les dégâts sur le haut, Jean-Pierre. Regardez, allez, s'il est posé. Voilà. Voilà, voilà. Et on sent qu'il y a quand même un petit peu de retenue. C'est bien ce qu'il fait, il faut être intelligent. Faut pas qu'il en fasse trop. Hein. Ah non, 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 mais deux secondes, c'est quand même, ça paraît de mal. Oh non, Jean-Pierre, reste là, Jean-Pierre. Ah, là, là, voilà. Voilà, bonhomme, allez. Voilà, allez, changement de rythme. On s'applique, on se place, comme l'a fait Bastoun, comme l'a fait notre costaud tout à l'heure. Bastoun, il est appliqué, notre Jean-Pierre de la Toussuire. La double, elle est bien. Maintenant, il y a encore un changement de rythme qu'il va falloir aborder. Il va falloir se placer dans le mur, il va falloir être intelligent et derrière on peut lâcher les chiens. Voilà, là, il y a ces trois portes qui sont dures, voilà, celle-ci. Ah, et Jean-Pierre, voilà. Non. L'autre derrière. Reste là. Allez, il y est, il est solide de toute façon. Allez, regardez, maintenant la engage, encore. Engage, le engage, engage comme petit Jean-Pierre. 25 ans demain, Jean-Pierre Vidal. Allez, il va chercher allez, la main, c'est bien la médaille. Va chercher la breloque. Ouais. Oui. Oh là 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 là. Jean-Pierre Vidal, champion olympique devant Sébastien Amier, c'est fabuleux. Finale pour les skieurs alpins. Oh yeah, yeah. C'est magique. Oh les frissons. Oh les frissons. C'est magique. C'est magique. L'émotion. Filme-nous ça, Jean-Marc. Notre caméraman canadien, il faut qu'il filme ça, les entraîneurs français. Mon Dieu. Deux Français aux deux premières places du slalom. Dans nos rêves les plus fous, on n'y aurait pas pensé. Bien.